Bună ziua! Îl avem astăzi invitat la Escu TV pe domnul Daniel Pilon, cronicar financiar independent, care în ultima vreme a reușit să facă un vulcan pe rețele de socializare, în special pe Facebook, prin prezentările sale care încearcă să demistifieze anumite concepte care ne sunt insuflate în lumea financiară și îmi place să-i spun că e omul care ne citește și ne explică ceea ce e scris de obicei cu litere foarte mici pe ultima pagină din contractele pe care le semnăm fără să citim niciodată. Alors, Monsieur Daniel Pilon, merci bien d'avoir accepté notre invitation de participer à cette émission. Et j'aimerais vous poser une question très simple. Vous êtes sorti d'où? Je suis sorti d'un comptable qui aime faire des vidéos depuis toujours. Ça remonte à l'époque, mon gars jouait au hockey au novice. Et puis, je faisais de chaque petit tournoi un grand événement. Et puis, j'ai toujours eu quelque chose à dire. J'ai toujours été un peu rebelle au point de vue corporatif. J'avais de la difficulté. J'étais pas un fin politicien, je vais t'avouer, dans les corporations où j'ai travaillé. Et puis, je voulais changer les choses. Et puis, j'étais assez bon pour détecter les anomalies, mais pas très habile pour organiser le changement. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à travailler pour moi-même, à mon propre compte. Ça fait de cela 20 ans. Et puis... Il faut aussi préciser que vous êtes comptable. Exact. Je suis comptable à mon compte, ça fait 20 ans. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos. Au début de l'année, j'ai commencé à faire des vidéos sur ma page chroniqueur financier. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Et puis, j'ai une vidéo qui, surprenamment, a atteint 45 000 vues au début février. Je parlais de l'autoroute 30, le pont à péage à Vaudreuil, que les camionneurs évitent, ils passent par Val-des-Filles pour sauver le péage. L'autoroute 30 a été faite pour accueillir les camions et non pas pour qu'ils évitent le péage. Donc, j'ai toujours été fort pour dénoncer ce qui est un non-sens ou ce qui est farfelu. Et j'ai eu 45 000 vues en 3 jours. Je suis resté surpris. Et à un moment donné, au mois de février, j'étais fraîchement sorti de ma mise à jour de ma formation d'impôt de 2016. Et j'ai décidé de faire un petit vidéo pour informer les gens, les 300 ou 400 abonnés de ma page, la plupart des amis Facebook, disons-le comme ça. Et puis, il a fallu que je sorte à l'extérieur parce que j'avais quelqu'un qui travaillait chez moi. Et on sortait de 2 tempêtes de neige et finalement, ça fondait. On entendait l'eau couler. Le ciel était bleu. On voyait le lac dégelé. C'était vraiment un paysage assez grandiose, mais je ne l'ai pas réalisé sur le coup. Et j'ai fait mon petit vidéo, les 2 pieds dans la neige, du mieux que je pouvais pour expliquer les changements d'impôts 2016. Et j'ai mis ça sur Facebook le dimanche. Et le lundi, il a explosé à 340 000 vues dans la journée. Je voyais le meter, excuse-moi l'expression, monter. J'ai eu 750 000 vues en 3 jours. C'était incroyable. Et puis, en fait, ça change une vie. Le téléphone se met à sonner. Les messages rentrent de partout. Les demandes d'amis, il y a du monde qui font surface. Il y a un peu de tout. Donc, c'est sûr que c'est... enivrant à quelque part. Et puis, mais j'aime ça, informer les gens. Et j'ai continué ensuite et les gens en veulent. Là, j'ai découvert qu'il y avait un créneau très clair et les gens en veulent. Ils me disent tous, enfin, on a quelqu'un qui nous explique comment les choses marchent. Parce que je suis sorti d'un simple vidéo pédagogique sur les impôts particuliers et maintenant, j'explique comment que ça fonctionne, les pièges, les trucs plus ou moins honnêtes qu'on voit dans la société, quand on voit dans les grosses corporations, que ce soit institutions financières, dans l'automobile, quoi que ce soit. Mon but, c'est vraiment pas d'attaquer qui que ce soit, c'est interdit de donner de nom. Je veux juste amener une réflexion collective, mais surtout éduquer la population parce que les gens en veulent. Et moi, je veux en donner. C'est pour ça que vous avez réussi à avoir plus d'1 million de vues sur certaines de vos présentations. Exact. Malheureusement, il y a des gens qui vont se sentir offusqués. Je comprends ça. Je comprends ça que si tu vends des REER et qu'il y a un type soudainement qui apparaît sur des réseaux sociaux et qui dit « Une minute, c'est pas bon pour tout le monde, les REER », bien, je comprends que ça va choquer des gens. Mais il y en a qui sont capables de s'élever au-dessus de ça. Mais il y en a que non. Mais une fois la tempête passée, on dit « OK, bon, il y a peut-être raison. » Et effectivement, on m'a confirmé que dans les exemples que j'ai donnés, j'avais raison. Et c'est au niveau du gouvernement fédéral, on ne tombera pas dans le détail de ça ici aujourd'hui, mais le système de pension est vraiment inadéquat au Canada et pénalise les gens qui ont économisé. Donc, je veux dénoncer, je veux amener les gens à une meilleure éducation financière. Je pense que la société va pouvoir s'élever de beaucoup si la masse a une éducation financière qu'elle n'a pas eue pendant leur formation, que ce soit secondaire, collégiale ou universitaire. La plupart des gens sont à peu près nuls en finances personnelles, ils le disent. Et il y en a qui apprennent vite, je peux vous le confirmer. Et j'ai une grande satisfaction d'avoir une interaction avec les abonnés et qui vont en montant continuellement. Donc, j'ai bien l'intention de continuer à faire à développer, à élargir mon horizon pour que les gens deviennent beaucoup plus avertis qu'ils ne l'étaient il y a vraiment pas longtemps. Il y a des gens qui, à ce que j'ai compris, parce que moi, il faut que j'avoue, je vous ai découvert justement à travers votre vidéo qui parlait des REER. J'ai découvert qu'il y a des gens qui s'appellent Robin Desbois du domaine financier, étant donné votre approche, disons, révolutionnaire par rapport à la manière d'expliquer les finances de la vie courante au Canada. Octavien, il faut comprendre que j'ai travaillé à mon compte. J'étais propriétaire d'un cabinet comptable. Je recevais beaucoup de clients. J'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui étaient à la retraite, qui étaient très malheureux de leurs décisions financières. Et j'ai appris pourquoi avec le temps. Et j'ai goûté à leur regret, à leur amertume d'avoir fait des mauvaises décisions, d'avoir pris des mauvaises décisions dans leur vie. C'est quand, pour comprendre des choses, il faut les vivre soi-même ou se les faire transmettre de proches. Et moi, je me les ai fait transmettre. Et j'ai été aussi mandaté pour analyser plusieurs choses. On m'a souvent demandé de comparer, acheter ou louer un auto. Donc, j'ai compris tous les rudiments de l'opération. Donc, je suis capable de faire une vidéo sur acheter ou non un auto. Je suis capable de parler du 0% d'intérêt. Je suis capable de parler de plein de trucs parce que j'ai été mandaté souvent pour donner leur juste à des clients. Et comme la justice, pour moi, est importante, l'honnêteté, bien, j'ai beaucoup de choses à dire parce que les gens, les humains sont des humains, hein? Donc, s'il y a une occasion, c'est sûr que s'il y en a un commerçant qui décide qu'il y a une approche plus ou moins honnête et qui fonctionne parce que les gens mordent, c'est sûr que le compétiteur va faire pareil. Je comprends, je ferais pareil, moi. Si je pars, mon compétiteur part une annonce de 0% d'intérêt et puis que lui, il marche et que moi, soudainement, il n'y a plus personne qui vient, bien, je vais le faire moi aussi, 0% d'intérêt, je veux survivre. Là. Il n'y a personne d'imbécile là-dedans, il n'y a personne de méchant. Il y a juste des gens qui veulent gagner leur vie. Et il y a des gens qui, de l'autre bord, qui croient ou qui croient ce qu'on leur dit. Mais les gens, maintenant, qui croient facilement, bien, ils demandent à être informés. Et c'est ça qui a créé une interaction très forte, en toute humilité, entre moi et les abonnés de ma page. Et je le fais dans la simplicité. Je ne veux pas que ça devienne compliqué. Je fais des vidéos extérieures. Dans une tempête de neige, j'ai parlé des REER. Avec l'eau qui coule, j'ai fait une formation. Avec une gouttière qui coule, je parlais d'impôts, des changements d'impôts. C'était le charme incommensurable du vidéo. Même s'il y a des gens qui disent « Ah, on s'y a distrait, l'eau, etc. » J'entends toutes sortes de commentaires. Il va toujours y avoir des gens qui vont attaquer la formule gagnante. Et c'est correct. Les gens ont le droit d'être comme ils sont. Avec le lac en arrière, j'ai la chance de travailler dans un coin où c'est champêtre et c'est agréable. Donc, je le fais dehors. Il y a des gens qui disent « Tu as des choses trop sérieuses à dire, tu devrais dire ça en dedans, dans un endroit fermé. » Pas question, c'est pas moi. Je suis un gars d'extérieur. J'aime ça couper du bois l'été et l'automne et sauter dans le lac. C'est qu'il n'est pas question pour moi de m'enfermer dans un bureau, dans une cravate et de faire ça formel. Je pense qu'on s'en fait raconter pas mal avec des gens qui ont des vestons cravates. Je dis pas qu'ils sont tous malhonnêtes, c'est pas ça que je dis. Mais moi, je le fais dans un contexte que je vais rester moi-même. Vous voulez garder ça le plus naturel possible. Je comprends qu'un début de votre démarche, c'est l'éducation, éduquer les gens concernant peut-être des choses qui sont des fois pas nécessairement familiers avec. Je sais aussi que, c'est pas moi, je l'ai lu quelque part, ça disait que la pauvreté, c'est pas le manque d'argent, c'est surtout le manque d'éducation financière. Est-ce qu'il y a un autre but derrière votre démarche ou c'est tout simplement l'éducation? Vous voulez faire quoi avec toute votre démarche? Tout s'est passé vite. Ça a passé d'un type qui voulait s'amuser et qui, soudainement, est tombé dans un créneau où il y avait une demande incroyable. On en veut. Continue. On en veut. Dis-nous tout ce que tu sais. Attends une minute. On va aller tranquillement. On va aller par étapes. Mais moi, définitif, que je veux participer activement à l'éducation financière de la masse. J'aime pas le dire comme ça. Ça fait prétentieux. Je veux rester très modeste et humble dans tout ça. Mais moi, je suis un gars qui vient de la classe ouvrière. J'ai eu la chance de me rendre à l'université, d'avoir un père qui s'est rendu juste assez loin pour payer mes études et me rendre aux études commerciales. Et j'ai pu aller chercher une formation. Et après ça, j'avais une base pour avancer dans la société. Donc, si je peux partager et lever d'un cran l'éducation financière des gens, parce que la plupart, ce que je vois, peu importe leur métier, profession, qu'ils aient fini leurs études au secondaire, au cégep ou à l'université, la plupart au niveau financier sont à peu près nuls. Ils le savent, ils le disent et on en veut. Alors c'est pourquoi d'ailleurs l'éducation financière, on commence à en parler l'an prochain. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi, qui va donner, ça va être quoi les formations. Mais les vraies affaires, les adultes, maintenant, ils veulent prendre des bonnes décisions. Ils en ont assez de se faire dire n'importe quoi. Et puis, d'ailleurs, ma page, c'est pas des sujets qui manquent. J'ai des sujets en réserve, ça ne finit plus. Et j'aimerais ça que tous les gens se lèvent d'un niveau au point de vue financier. Et les institutions n'auront pas le choix de changer. Et s'ils ne changent pas, mais il va y avoir une nouvelle ou des nouvelles institutions qui vont apparaître. C'est la nature humaine, c'est expansion, contraction, expansion. Et c'est ça qui va se créer manifestement. Donc, les gens en ont assez de se faire dire n'importe quoi. Et je pense que ce courant-là, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs je me sens épaulé, je sens des gens en arrière de moi, je reçois des messages, je reçois des gens qui disent « Oui, tu avais raison, oui ». J'ai calculé, tes chiffres arrivent, oui. Je sens des gens qui sont sincères aussi en arrière. Et ça peut élever une société. Ça peut faire de la société québécoise ou canadienne ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui va monter d'un cran si on comprend le contenu des choses. Vous parlez de changement des institutions, vous parlez de... je ressens une certaine démarche révolutionnaire, pacifique, mais toujours révolutionnaire. Oui, tout à fait. J'ai toujours été rebelle. Une rébellion pacifique. Je veux attaquer personne. Je veux que les gens qui se sentent concernés fassent une introspection. C'est certain que si moi j'avais travaillé, si j'avais fait carrière dans une institution financière, je serais probablement complice des grandes décisions. Et la même chose si j'étais dans le financement, que si j'étais dans l'automobile, que si je vendais des meubles, que si... Peu importe mon chapeau dans la société. Et c'est cette métamorphose-là qui doit s'opérer. Et si les gens réfléchissent et disent... Quel est le sens de ma vie sur Terre? Je ne veux pas sombrer dans des concepts religieux ou pas du tout, mais dans quel est le sens de mon existence si je ne fais que flouer tout le monde? Je pense que tout le monde a droit à gagner sa vie, les institutions ont le droit de faire le profit. Est-ce qu'on est obligé d'endormir, de flouer le peuple qui veut juste croire ce qu'on lui dit? Et maintenant, il va commencer à... entre guillemets, il commence à s'éveiller et à prendre conscience rapidement. Il y avait un créneau là et je l'ai très bien senti. Et j'ai l'intention de continuer de faire, de marcher la tête haute et de faire honnêtement cette démarche qui est celle d'avancer, de faire avancer les connaissances financières de la population en général au Québec. Monsieur Pilon, c'était vraiment agréable de vous avoir dans notre studio aujourd'hui. J'aimerais d'un côté vous remercier pour votre gentillesse de venir nous voir. C'est un honneur pour moi. De vous souhaiter tout le succès possible et peut-être à une prochaine fois. J'apprécie beaucoup. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Meseria de șofer, când vii nou în Canada, este foarte dificil ca cineva să se angajeze pentru că nu ai experiență canadiană. Chiar dacă ai lucrat în România sau în Europa, experiența ăștia își cer experiența de Canada. Fără 2-3 ani de experiență, nu prea poți să intri la ei. De aia Trans-Inter F&M mi-a dat ocazia ca să încep cu ei și iată că am început acum în 2004, deci 11 ani în urmă și lucrurile merg bine. Sunt tot la ei, sunt mulțumit. Asta este o meserie destul de dificilă, în primul rând când ai familie, copii. Pentru că pleci mult timp de acasă, cursa ce fac acum este o excepție, este o cursă scurtă de 2 zile. Astăzi vă prezint cursa de New York, mergem la New York, în Manhattan, livrăm la un zgârie nor, la World Trade Center. Marfa ce o avem sunt geamuri pentru zgârie nori, făcute de un client de aici din Quebec, care face toate geamurile pentru blocul respectiv. Așa, este un client al Trans-Inter F&M. Este o cursă scurtă, de aproximativ 8 ore, mers. Același lucru pentru întoarcere înapoi. De obicei, de acolo ne întoarcem gol. Nu aducem marfă înapoi, pentru că de la New York City nu prea ai ce să aduci. Mai mult să consum acolo decât să fabrica. Meseria de șofer este o meserie destul de grea, nu oricine poate să o facă. Trebuie să ai mult suportul familiei ca să poți să reziști meseria asta, pentru că ești plecat foarte mult de acasă. Am ales meseria de șofer de când eram mic, eram pasionat de mașini. Din familie, de la taică-miu. Taică-miu era foarte mult cu mașinile, avea multe mașini și s-a dezvoltat pasiunea asta pentru mașini. În România, de cât am luat permisul de camion, avea și taică-miu o basculantă, mai conduceam pe acolo, dar mai mult aici. Când am auzit de America, am auzit prieteni cum se lucrează în America și mi-am dorit să vin, să emigrez aici și deja meseria asta o aveam din cap din România. Când am venit încoace, era greu să intri. Era greu, în primul rând, să-ți iei permisul de camion, pentru că n-aveai experiența necesară. Dar Până la urmă am reușit și am luat permisul și am intrat la Trans-Inter F&M printr-un prieten, că altfel este foarte greu să intri dacă n-ai experiență canadiană. Și de atunci firmele mici, mai ales dacă sunt firme și românești, cu patroni români, te înțelege, îți acceptă experiența din România și atunci poți să începi la ei, îți dă o șansă ca să începi la ei. Aici la noi este flatbed, ceea ce înseamnă să ai o cunoaștere foarte bună cum poți să-ți legi marfa, să-ți arimezi marfa. Pe când la van nu mai e așa, la van doar deschizi ușile, închizi ușile. Deci când ești șofer de cursă lungă, trebuie să fii pregătit, pleci de acasă mult timp, ceea ce înseamnă de la 3-4 zile până la, hai să zic, maxim vreo 10 zile, dus-întors. Așa, dormi în camion, mănânci în camion, vorba aia, dacă îți cumperi de pe undeva, dacă nu e opțiunea, mănânci la restaurant. Deci e un pic mai scump, așa. Dușuri faci la stațiile de unde bagi motorină, la truckstop-uri. Planningul unui șofer, deci toate astea sunt calculate. Când trebuie să știi când ai plecat din curte, exact cât trebuie să faci cu la client, care sunt obstacolele pe drum, dacă e iarnă, vară, iarna prevezi mai mult timp. Cel puțin cu o zi îți iei mai mult timp pentru zăpadă, pentru accidente, pentru astea, când ești oprit în trafic. După aia trebuie să ajungi cu marfa la timp, normal, pentru că clientul e important. Din moment ce nu-ți respecti clientul, nu-ți respecti data de livrare, pierzi clienții. Și firma nu mai are de muncă după aia. Deci toate astea sunt importante să le respecti. Mi-a plăcut de când am început cu ei, mi-a plăcut pentru că te-au ajutat, în primul rând. N-ai avut experiență, te-au ajutat să-ți faci experiența necesară și din moment ce lucri cu aceiași oameni, începi să-i cunoști și începi să te înțelegi cu ei. Cei care nu rămân mult la aceeași firmă au probleme, sau probleme de socializare, sau probleme de comportament, sau, mă rog, chiar probleme de șoferie, să zic. Trans-Inter F&M, diferența față de firmele mari, la firmele mari ești doar un număr. Deci ești șoferul cu numărul cu tare. Înțelegi? La noi, la firmă, ai un nume. Deci la noi o firmă de micuță, să pot să spun, undeva la 30 de camioane. Ok? Deci fiecare îl știm după numele lui, nu după numărul de șofer. Și atunci asta face diferența. Deci apropierea între birou și angajați, și șoferi, cum ar veni. Deci patronul este implicat în absolut orice activitate în firma respectivă. Deci el de la management, de la conducerea companiei, până la vorba aia, să repare, să aducă piese, să repare, să dea la mecanic să repare, să meargă la încărcat, să ajute un șofer la încărcat dacă are dificultăți, să spele camioane, să... Deci el se ocupă practic de toate, adică poate să le facă pe toate, asta nu înseamnă că le și face, dar poate să le facă. Pot să spun chiar pentru un șofer experimentat există perioade foarte dificile, de exemplu ne confruntăm cu o iarnă foarte grea aici în Quebec. Când ai de încărcat marfă pe flatbed și trebuie să pui prelată, deci mai și un frig de minus 30 de grade, e un pic dificil. Dacă clientul nu are o hală înăuntru încălzită unde poți să-ți faci treburile astea, să pui prelata, să atașezi astea, așa. Dar asta e iarna, așa. Mai intri un pic în camion, te mai încălzești, așa îți revii. Pentru un șofer nou sunt aceleași probleme. El nefiind obișnuit să facă chestiile astea într-un ritm mai rapid, așa, iarna-i va fi foarte greu. Și mulți care încep undeva la sfârșitul toamnei, iarna se lasă, pentru că văd foarte greu meseria asta, condițiile de iarnă. Firma a început în 96, a început doar cu un camion și s-a dezvoltat, ajungând să aibă aproape 30 de camioane și este în continuă mărire. Deci noi acum angajăm lunar, angajăm noi șoferi, pentru că fiind și job-ul la flatbed fiind dificil, deci șoferii stau cât stau, dar la 3-4 ani șoferii pleacă și atunci trebuie să angajăm din nou șoferi. Cei mai mulți șoferi la noi sunt români, după aia avem toate naționalitățile, dar românii sunt pe primul plan. La Trans-Inter F&M, eu personal mă ocup de recrutarea șoferilor. Pentru românii noi veniți în Canada, îi așteptăm cu drag. Chiar dacă n-au experiență, noi le facem trainingul necesar, care poate să dureze între o lună și 3 luni, 6 luni, depinde, fiecare cât are nevoie. Iată-ne din nou acasă, am revenit din cursă, acum o să petrecem și noi o zi jumate cu familia și de luni o altă cursă, o altă experiență, un alt challenge. Sperăm că prezentarea filmei noastre v-a plăcut. Trans-Inter F&M invită pe toți cei care vor să facă o carieră în domeniul transportului să ne contacteze. La Trans-Inter beneficiați de o remunerație competitivă, un mediu de lucru profesional și mai ales sentimentul apartenenței la o familie. Vă mulțumesc, pe curând!